le sujet des rituels funéraires. Cette fois, ce sera la mort dans les fables d'Auvergne-Rhône-Alpes, en franco-provençal ou en occitan. C'est le professeur Jean-Baptiste Martin qui va nous illustrer ce qu'il a trouvé dans les fables. Bonjour, merci. Merci pour votre invitation. Je suis heureux de me retrouver ici pour vous parler de ce que nous faisons dans notre région. C'est toujours un réel plaisir depuis un peu plus de 50 ans que je viens ici. Bien, je vais vous parler donc de la mort dans les fables d'Auvergne-Rhône-Alpes. La mort qui fascine ou qui obsède l'homme est un thème récurrent dans la littérature et elle est bien présente dans les fables. Après d'autres fabulistes qui l'ont précédé, Ésope par exemple, Jean de La Fontaine, que vous connaissez tous, Jean de La Fontaine a utilisé le thème de la mort dans plusieurs de ses fables. Dans trois, le substantif féminin, la mort, figure même dans le titre. Il s'agit de la mort et le malheureux, c'est la fable 15 du livre 1, ensuite je ne vous donnerai pas les citations, vous les trouverez dans la version écrite. La mort et le bûcheron, la mort et le mourant. La Fontaine a encore utilisé ce thème dans la fable « Le curé et le mort ». Et la mort est aussi présente dans d'autres fables, mais de façon moins importante, et le mot « mort » ne figure pas dans le titre. C'est le cas pour les fables « La jeune veuve »,« Le vieillard et les trois hommes »,« Les obsèques de la lionne » ou encore « Le torrent et la rivière ». Comme chacun sait, La Fontaine a suscité de nombreux émules, tant en France qu'en l'étranger. En France, certains auteurs ont écrit des fables en français. Parmi les auteurs les plus connus, on peut citer par exemple Antoine Oudart de Lamotte, Claude-Joseph Dora, Jean-Pierre Clarisse de Florian, Louis Ratisbonne et bien d'autres. Et d'autres en ont rédigé en langue régionale. C'est notamment le cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où lors d'un collectage récent, j'ai pu, avec le concours de nombreuses personnes, et en particulier de collègues de l'Institut Pierre Gardette, rassembler près de 500 versions de fables écrites en occitan auvergnat ou vivaro-alpin ou écrites en franco-provençal. Les deux volumes de fables viennent de paraître, vous les voyez devant moi, sous le titre « Trésor des fables d'Auvergne-Rhône-Alpes en occitan », avec le sous-titre « Quand nos fabulistes rivalisent avec La Fontaine ». Et deux autres volumes ont paru en même temps, c'est-à-dire cette année, sous le titre « Trésor des fables d'Auvergne-Rhône-Alpes en franco-provençal » et avec le même sous-titre. Trois autres volumes seront nécessaires pour assurer la publication de l'ensemble des documents rassemblés. Nos fabulistes régionaux ont écrit plusieurs fables dont la mort est l'un des personnages principaux et la plupart se sont inspirés de La Fontaine tout en faisant preuve d'une certaine originalité comme vous allez pouvoir en juger puisque je vais vous résumer le contenu de ces fables. Et je vous dis, je vais vous préciser que qu'il s'agisse de fables relatives à la mort ou de fables sur d'autres thèmes, nos fabulistes régionaux qui ont pu s'inspirer de La Fontaine se sont inspirés seulement. Ils n'ont pas traduit La Fontaine, ce sont des fables entièrement originales où l'on voit la verve populaire. Je traite d'abord de la mort et le mourant. Dans la fable « La mort et le mourant », écrite au milieu du XIXe siècle en occitan vivaro-alpin, dit Saint-Jean, Théodore Mallet reprend le contenu de la fable du même titre de La Fontaine, contenu que ce dernier avait lui-même emprunté à Abstemius. En voici le thème. La fuite du temps nous rapproche sans cesse de la mort, mais l'homme est trop léger pour s'y préparer et trop faible pour la regarder en face. Il a étayé cette constatation avec l'anecdote du mourant centenaire qui ne veut pas mourir, bien qu'il soit un privilégié par rapport aux autres hommes, mais la mort qui vient le chercher reste sourde aux différents arguments qu'il avance pour essayer de retarder l'échéance. Elle lui démontre, la mort, qu'il n'est plus vraiment le même homme qu'avant, qu'elle a peu à peu pris possession de lui. Elle s'étonne même de l'inconscience, de l'inconséquence du mourant qui n'a pas su comprendre le naufrage que représentait la vieillesse et qui n'a pas compris que le décès de ses contemporains plus jeunes que lui était des avertissements. La morale,
et qu'il faut savoir se résigner à l'inéluctable. Mallet, qui qualifie la mort de grosse laide, c'est une citation, refuse au début d'être à sa disposition et de lui payer son funeste tribut, c'est une citation. Puis dans le sillage de La Fontaine, il met en scène Gris, c'est un nom propre, Gris un centenaire, à cette époque, comme à celle de La Fontaine, les centenaires n'étaient pas légion, vous le savez bien. Un centenaire qui ne veut pas se livrer à la mort qui vient le chercher et lui donne toutes sortes de raisons pour obtenir un report de l'échéance. En voici quelques-unes de ses raisons. Il n'a pas encore fait son testament. Sa femme ne veut pas qu'il parte sans elle. Il a deux neveux à sa charge qui ne sont pas encore établis. Elle le prend trop au pied levé. Elle ne l'a pas averti. La mort lui démontre que tous les signes de la vieillesse, par exemple la perte de la vue, le visage qui se racornit, l'esprit qui divague, sont des avertissements et que faire son testament ne relève pas de l'intérêt général. La morale de la fable de Mallet correspond à celle de La Fontaine, tout en développant quelques éléments nouveaux. En voici quelques-uns. Quand on a un grand âge, il faut être prêt à mourir et il faut sortir de la vie comme d'un banquet en remerciant son hôte. Il ne sert à rien de vouloir retarder le voyage de quelque temps. D'ailleurs, il vaut mieux mourir jeune, si la mort est héroïque, même si elle est cruelle, comme c'est par exemple le cas au combat. Le dernier vers de la fable résume bien le contenu général. « Plus tu ressembles à un mort, plus tu t'en vas à regret. » Autrement dit, plus on devient vieux, plus on redoute la mort. Je passe à une autre fable, « La mort et le bûcheron ». Et la fable de La Fontaine, qui a le même titre, « La mort et le bûcheron », a inspiré deux fabulistes franco-provençaux du XIXe siècle, le père Froment du Bugey et Albert Ravana de Grenoble. Le père Froment a intitulé sa fable « La mort et le malheureux », mais son contenu correspond à celui de la fable « La mort et le bûcheron », c'est-à-dire la fable 16 du livre 1 de La Fontaine. Le héros est en effet un très pauvre vigneron du Revermont qui revient de son champ avec un fagot de bois sur le dos. Fatigué physiquement par son travail et moralement par toutes les épreuves qu'il subit, il met bas son fagot et appelle la mort qui arrive aussitôt. Mais quand elle lui demande ce qu'il veut, il lui répond simplement « Ce n'est que pour m'aider à charger mon fagot ». Albert Ravana a intitulé sa fable « La mort et le provésar ». Un provésar est un habitant de Provézieux. Provézieux est un petit village de Chartreuse situé juste au-dessus de Grenoble, dans lequel l'auteur se rendait tous les week-ends. Ce provésar, qui s'appelle le père Raffin et qui est âgé de plus de 80 ans, remonte chez lui, citation, « plus chargé de fagots qu'un âne de Provence ». À la fin de la fable, on apprend qu'il transporte en fait sur son dos deux fagots. Exténué, il pose son fait et s'assied. Il médite sur son sort peu enviable, car il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il n'arrive pas à nourrir sa famille. Il appelle la mort, qui, à son habitude, arrive aussitôt. Quand elle lui demande ce qu'il veut, il lui répond, citation, « Charge-moi ces deux fagots et fais vite, s'il te plaît, car ma pauvre femme m'attend depuis longtemps pour manger la soupe. » Fin de citation. Chez nos deux auteurs, la morale est la même que chez La Fontaine. On appelle la mort quand elle est loin, car on pense surtout à ses malheurs ou à ses souffrances. Mais quand elle est proche, comme elle fait peur, on ne la souhaite plus. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes, a écrit La Fontaine, qui éprouve de la sympathie pour le malheureux bûcheron, mais semble critiquer la lâcheté de la nature humaine. Conclusion quasi identique chez le père Froment, qui écrit que les riches comme les pauvres, les puissants comme les gens du peuple, préfèrent, citation, pâtir plutôt que mourir. Ravana, quant à lui, dans une conclusion pleine d'humour que je vais vous lire, eh bien Ravana célèbre la vie. Et pour comprendre cette citation, il faut savoir que Ravana lisait ses fables devant un cercle d'amis lettrés et qu'il aimait les faire rire. Peut-être aussi avait-il un pressentiment, car il est mort en 1894, à 49 ans, quelques années seulement, après avoir écrit cette fable. Voici sa conclusion. Mes amis, je vous lis la traduction en français, parce que ces fables ont été écrites en franco-provençal ou en occitan, donc ici franco-provençal. « Mes amis, vous avez beau dire,
il fait tout de même bon vivre. Quand on est mort, c'est pour longtemps. Il y a encore de bons moments à passer. Ravana emploie le mot camarde, camarde, comme synonyme de mort. Comme ce mot est aujourd'hui peu connu, il me semble d'en donner l'origine, car celle-ci est liée à une représentation de la mort. Camarde est une forme substantivée de l'adjectif camard, masculin, camarde féminin, qui est un synonyme de l'adjectif camus, masculin, camus féminin, et qui signifie soit qui a le nez court et plat, en parlant d'un visage, soit aplati ou écrasé, en parlant du nez lui-même. L'origine de ces mots est obscure et elle est discutée entre spécialistes. Le substantif féminin camarde, donc la mort, est une dénomination métaphorique de la mort par allusion au squelette dont le nez, réduit à une arête osseuse, semble aplati. Le dictionnaire historique de la langue française, ou si vous préférez le Robert 1895, à qui j'ai emprunté cette définition, indique que la première attestation de ce sens, donc mort, date de 1653. Je passe maintenant à une autre fable, le curé et le mort. Vincent Malaloge, un auteur auvergnat du XIXe siècle, a écrit en occitan une fable intitulée « Le curé et le mort », dont le contenu est assez proche de celui de la fable du même titre écrite par La Fontaine. Notre grand fabuliste français, ou si vous préférez La Fontaine, avait rédigé son apologue en s'inspirant d'un fait divers rapporté par Madame de Sévigné. En dressant un portrait caricatural du curé, son objectif était de critiquer la société, en particulier le clergé. En effet, le curé qui accompagne le mort jusqu'à sa dernière demeure, en récitant diverses prières, pense à tout l'argent qu'il va gagner, ce qui lui permettra d'acheter un tonnelé du meilleur vin et des cotillons pour sa nièce et sa servante. Il y a certainement une critique de la fausse dévotion, de la cupidité et même des mœurs dépravées de certains prêtres. Comment finit la fable ? Déséquilibré par un choc, le char transportant le mort va se renverser sur le curé qui meurt et les deux morts s'en vont alors de compagnie. Malaloge est resté très près de son modèle tout en ajoutant quelques touches personnelles. Ainsi, le curé qui suit le cortège funèbre est accompagné de son sacristain. Il chante des leçons, des psaumes, des versets, des paroles tirées de l'écriture et des complaintes. Certes, il est aussi intéressé que le curé Jean Chouard de Jean de La Fontaine, mais ses rêves d'achat sont un peu plus conformes à son statut. Il veut en effet acheter un tonnelé de Chambertin pour satisfaire sa gourmandise, une belle étoffe pour sa nièce et, citation, quelque chose aussi pour sa servante. Mais il désire aussi acheter des cierges pour son hôtel et une robe de serge pour habiller sa bonne vierge. La critique de Malaloge envers son curé est moins forte que celle de La Fontaine. L'addiction à l'alcool devient, chez Malaloge, simple gourmandise. Dans les cadeaux destinés à la nièce ou à la servante, il ne semble pas y avoir de critique véritable des mœurs du prêtre. La conclusion de la fable est d'ailleurs toute prosaïque, puisque la charrette qui tombe sur le curé, citation, « l'aplatit comme un rat qu'on attrape avec une ratière ». Albert Ravana a écrit à la fin du XIXe siècle un long texte intitulé « Le curé et le mort ». Au début de ce texte, donc en franco-provençal, puisque Ravana est de Grenoble, il est précisé qu'il est destiné à être chanté sur l'air de « Aventure d'un pompier » et sur la musique de Fameuchon. Ce texte correspond à la trame de La Fontaine « Le curé et le mort » et présente des points communs avec la fable de Malaloge dont je viens de vous parler. Le texte de Ravana est cependant beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant par rapport à la thématique de notre journée d'étude, car on y trouve une description beaucoup plus détaillée du cortège funèbre tel qu'il se déroulait dans les campagnes au XIXe siècle entre le domicile du défunt et l'église. Le curé, qui est l'ancien curé Badin de Provézieux, est allé chercher Gustave. Gustave qui est mort à son domicile situé à Planfay, Planfay qui est un village de montagne en dessus de Provézieux. La bière est portée sur les épaules de quatre bons vieux soldats. Les enfants de cœur avancent en tête. Le curé
joyeux comme un jour de fête, récite bien fort ses miserere et tout son livre de prière. Le miserere, pour ceux qui ne le sauraient pas, est la prière pour les défunts qui commence ainsi, miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, aie pitié de moi Seigneur, selon ta grande miséricorde. Le curé s'adresse aussi au mort, qu'il sait plutôt riche, en lui disant qu'il lui dira force libera pourvu qu'il soit bien payé. Et le libera est la prière pour les défunts qui commence par liberame domine de morte aeterna. Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle en ce jour de terreur. Elle lui indique qu'il vient le chercher au diable, c'est une citation, c'est-à-dire dans la montagne, par des chemins escarpés, difficiles, et que prière et difficulté du parcours doivent être prises en compte pour le paiement. Il fait le compte de tout ce qui lui est dû pour cet enterrement, l'assistance du curé, l'entretien de l'église, le rosaire qui est dit, la messe, la lecture du bréviaire, les cierges. Le curé rêve alors des achats qu'il pourra faire avec cet argent. Qu'est-ce qu'il veut acheter, cher Havana ? Une robe pour sa servante, une soutane pour lui, un tonneau de vin pour se réjouir, une bouteille d'absinthe pour bien recevoir ses amis. Le rêve s'achève lorsqu'un branchage qui est sur le sol fait choir deux des soldats, ce qui entraîne la chute des autres, et le mort tombe alors sur le malheureux curé qui est assommé sur le coup, et finalement tous les deux sont enterrés ensemble. Et la morale de Ravana est la suivante: dans ce monde il ne faut compter sur rien, et le mieux c'est de profiter de la vie. L'intention de Ravana est donc moins de critiquer le clergé que de faire rire d'un fait dramatique pour illustrer à sa façon le carpe diem d'Horace. Je passe maintenant à une autre fable, ou même plus exactement deux versions d'une autre fable, Caron et l'ombre. Parmi les fables que nous avons rassemblées, deux s'intitulent Caron et l'ombre. Elles ont été écrites au XIXe siècle, la première en occitan par un habitant de Die qui s'appelait Auguste Boissier, Die c'est dans la Drôme, la deuxième toujours par le grenoblois Albert Ravana, qui connaissait sans doute le texte de Boissier qu'il a adapté. Ces fables sont inspirées de la mythologie grecque où Caron, le nocher des enfers, qui était un vieillard robuste et inflexible, faisait passer dans sa barque d'une rive à l'autre les âmes des morts qui avaient reçu une sépulture. En paiement, il prenait la pièce de monnaie qui avait été placée à cette intention dans la bouche de ses défunts. Et dans sa fable, Boissier ajoute une touche de fantaisie, puisque l'ombre que doit faire passer Caron est un médecin de Die nommé Roux. Caron le fait passer gratuitement pour lui témoigner sa gratitude, car ce médecin lui a fourni beaucoup de clients. Cette critique de la médecine est aussi présente dans la fable de Ravana, car l'ombre que fait passer Caron dans la fable de Ravana est un médecin de Grenoble. Après l'avoir reconnu, Caron lui accorde la gratuité du passage dans le royaume des morts. Comme on le voit, nos deux auteurs régionaux ont modifié le contenu originel du mythe grec pour lui donner un ancrage local. Et je suis heureux ce matin d'avoir entendu ce que j'ai pu entendre sur ces pièces de monnaie. La rédaction de ces fables s'explique probablement par le fait que dans cette région et à cette époque, on plaçait encore parfois une pièce de monnaie dans les mains des défunts. J'ai entendu évoquer cette pratique par une vieille personne du Bugey dans les années 1970. Arnold van Gennep l'avait également relevé quelques décennies plus tôt à Renage, dans l'Isère, dans le Dauphiné, donc, comme le montre l'extrait suivant du premier volume de son ouvrage « Le folklore du Dauphiné » publié en 1932. Je lis la citation de van Gennep. « J'ai entendu dire que certaines gens mettent une pièce de 10 centimes dans le corsage ou le gilet du défunt pour qu'il aille en paradis, ou comme on dit aussi, et là c'est entre guillemets chez van Gennep, pour lui faire passer la barque à Caron. Cela prouve que cette pratique existait encore à l'époque où ces fables ont été rédigées, mais cela prouve aussi que dans notre région, cette pratique était plutôt faite dans une optique christianisée. » J'en arrive à la conclusion, donc je vais tenir dans les 5 minutes. Les fables relatives à la mort des humains
écrite en occitan ou en franco-provençal par des fabulistes d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme les fables correspondantes de La Fontaine, montre combien la mort, quand elle est éloignée, est parfois souhaitée comme moyen de résoudre les graves difficultés auxquelles on est confronté. Eh bien, cette même mort est redoutée lorsqu'elle est proche, y compris par les personnes qui ont déjà beaucoup vécu. Même très âgé, l'homme n'écoute pas la nature qui l'avertit de sa mort prochaine par les modifications subies par son corps ou par son esprit, et il trouve toujours qu'il n'a pas eu assez de temps pour faire tout ce qu'il voulait faire. Dans quelques fables sont décrites certains rituels, en particulier le cortège à pied qui accompagnait le mort à son domicile, depuis son domicile à sa dernière demeure, et à la tête duquel se plaçait le curé qui récitait les diverses prières des défunts. On voit que sur ce point, depuis un siècle, les pratiques ont bien changé. Il en est de même pour le rituel de l'obole que l'on plaçait dans les mains des morts pour faciliter leur passage dans l'autre monde. Ces fables sont pleines de sagesse et sont très instructives. Elles montrent que la Camarde fait partie de la nature humaine et que le sage doit s'y préparer. Sur ce judicieux conseil, je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci pour ce survol de cette analyse des fables en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelqu'un a des questions ? En tout cas, merci pour le thème traité et aussi pour le fait d'avoir rappelé, encore une fois, si besoin, que le franco-provençal a une littérature et qui est quand même assez importante, même du point de vue historique, si on pense qu'on a pu collecter des textes qui vont du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, donc 8 siècles de littérature franco-provençale, et pour ne pas parler de la littérature occitane qui est encore plus connue. Donc voilà, c'est important d'avoir accès aussi à ces œuvres qui nous permettent de lire facilement des textes qui auparavant étaient vraiment l'apanage de quelques spécialistes qu'on trouvait seulement dans les archives, par cette collection de la région Rhône-Alpes avant et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, on a vraiment la possibilité d'avoir un accès facile et immédiat à des œuvres quand même qui sont importantes pour notre imaginaire collectif et pour la connaissance de notre culture. Bon, j'ai apporté quelques volumes. S'il y en a, comme je sais qu'on ne peut pas les trouver ici, s'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez à la pause me les demander. Ils sont en vente au prix de 12 euros le volume, et les volumes en 256 ou 320 pages. Et il y a sur la page de droite le texte en franco-provençal ou en occitan, et sur la page de gauche la traduction. Ne croyez pas que les contenus des volumes d'une langue à l'autre est le même, parce que des traductions littérales, il n'y en a même pas 5%. Ce sont des fables inspiré peut-être de La Fontaine, mais tout à fait original, et les fables de La Fontaine à côté sont un peu tristounettes. Autrement dit, nos auteurs s'en sont donnés à cœur joie. Et il y a des fables, mais qui ne sont pas inspirées de La Fontaine, et dans les publications qui vont venir, il y aura des fables entièrement originales. Je vous remercie.